Hello ma Pixie Army, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un décor un petit peu particulier parce que je vais vous présenter mes copines et on va faire un jeu. Je vous présente en premier Marion. Après ça de présenter les 12 coups de midi. Du coup Marion va être mon adversaire sur cette partie. Et c'est quoi ton dessin préféré? Mon dessin préféré c'est Aladdin. On va maintenant accueillir Gwen. Et donc du coup c'est quoi ta chanson préférée Gwen? J'adore Réponse et j'adore Où est la vraie vie dans les coups. Ma partenaire de crime, mon bino. Non, Lucie. Quelle est ta citation préférée? Alors je suis ravie que tu poses la question. Tu n'étais pas du tout préparée. Je te la pose. Alors ma citation préférée c'est la citation de Mulan qui dit: qu'importe que le vent hurle, la montagne jamais ne pourra devant lui. La Pixie Army. Betty nous a choisi des films Disney. Comme ça je sais pas lesquels c'est, j'ai pas pu tricher. Grosse tristesse. Et du coup je te laisse expliquer le principe du jeu. Pixie tricheuse. Hashtag. Dans les commentaires les gars. Alors le jeu c'est qu'il va y avoir deux manches, deux équipes, Gwen et Marion contre Aurore et Lucille. Et en fait je vais leur donner un dessin animé, soit Pixar, soit Disney. L'équipe perdante va devoir se taper un très joli mélange à base de bonbons, pancakes, Nutella, à pellicule. L'idée c'est d'abord on est équipe par équipe et l'équipe gagnante, on va s'affronter les unes contre les autres. Donc qui va gagner? Suspense. Alors on commence par... Vice versa. Oh. Joie. Colère. Tristesse. Peur. Riley. Dégoût. Bing bong. Le papa, je sais pas. Ouais, très bien, il n'y a pas son nom. Il n'y a pas de nom. La maman. On a dit pas. Oui, mais la mère, elle a un nom. On a dit les cinq, du coup. L'espèce de Bieber, là. Oui. Il a un nom? Justine? Kevin? Je sais pas. Non, je crois pas qu'il ait le nom. Les employés triple d'Angon. Est-ce que ça compte? Oui, ça s'appelle comment? Ils ont un nom? Oh, ah bah, je sais pas. Attends. Il y en a quand même que... Allez, on lance le timer. Parce que si on n'a pas trouvé la fin du timer... On va bien réussir à trouver quelqu'un. Oh, reste qui va perdre. Attends, je sais pas. Le brocoli sur la pizza, ça compte? Non. Bah non, c'est mort. Mais est-ce qu'on a le droit de dire tout plein de noms comme ça sans qu'on perde? Bah si, c'est la fin. Moi, je pose les vraies questions. On a perdu le premier. Un point pour Gwen et Marion. Lilo et Stitch. Lilo. Stitch. Il y a d'autres personnages à part sa sœur. Ouais, oui, à part sa sœur. Je suis pas sûre de l'avoir vu une fois. Je l'ai vu une fois. Bah écoute, j'ai le nom de la sœur. Les autres. Non, non. Du jour, ma voyance, ça passe peut-être. Bon, bah c'était une manche rapide. Bah écoute, je dis quand même le nom de la sœur, hein. Nani. C'était une manche brillante. Lilo, Stitch. Le monde de Dory. Ok, ça va être la galère. Bah, du coup, c'est à nous de gagner, donc Nemo. Bah, Dory. Marin. Ah, il y en a beaucoup là. Oui. Beluga. C'est il a un nom. Il a un nom? Ouais. Quel patate. Moi, j'ai le nom de la baleine. Attends. Je suis honte. Il y en a un par qui s'appelle Bubu. La tortue. Oui. Oui, j'y pensais aussi. Non, c'est bon. C'est bon ce que t'as dit. T'as dit quoi? Bubu. Bubu? C'est ouais. Qui Bubu? Bubbles, mais. Ah! Mais j'ai en anglais. Bubble. Claire Chazal. Squeeze. Destinée. Oui. Ah oui, c'est la baleine. Destinée. Comment ça s'appelle le père de Squeeze? Oh, la tortue. Moi, je te donne le avec Claire Chazal. Et puis, le cadeau. Oh, Darla! On la voit pas. Non, elle est dans Nemo, ça. Non, on la voit pas. Ah, non, je suis d'accord. Ça, c'est dur. Attends, moi, c'est le nom de Nemo, Dory. C'est ouf parce qu'il y a quand même un personnage principal qu'on a pas dit quoi. Bah moi j'avais Hank quand même, le poulpe. Ah mais oui, le poulpe. Franchement. Mais non. Non. Et le lion de mer, il s'appelle comment? Mais moi j'arrive pas à me souvenir de celui qui dégage tout ça. Avec un regard vide. Et comment il s'appelle le père de Squeeze, la tortue de mer? Oui, mais lui justement. Il y avait Crush. Il y avait Astrid, Bailey. Bailey. C'est Kev Adams. Bailey. Il y avait Becky, Bill, Boule. Bill et Boule. Bubble, c'est du coup tu as dit Bubule. Hank. Ah c'est Gérard, la bestiole, là, insupportable. La viande. Oui. Oui. Bah donc on est à 2-1 les meufs, hein. Ouh, vous sentez la pression qui... Merlin l'Enchanteur. Ouh.
Allez, ok. Voir. Bah Merlin. Ouais. Arthur. Yes. Madame Mime. Mm-hmm. Archimède. Oui. Il en reste trois que tu peux dire, mais c'est des personnages très secondaires. Hein. Mais je vois visuellement qui c'est, mais... La fleur. Tu veux chercher. L'épée. Le frère, il a un... J'ai jamais vu Marlin. Ouais, voilà, je pense que c'est celui que vous pouvez le plus trouver, le frère. Jacques, Arthur, Michel, Hugues. Il est trop bien, Merlin, genre. Ouais, c'est un de mes préférés aussi. Bah genre, t'en as un autre. Tu vois sur le blanc. Non, non, je cherche... Voilà. Bah c'est mort. Donc on est ex aequo. Oui, il en faut un pour me départager. Exactement. Ouais. Allez, on vous départage sur la petite sirène. Oh, c'est à vous. J'espère que t'es prête, hein. Triton. Sébastien. Ok. Polochon. Ouais. Eric. Ursula. T'inquiète, moi je pense que. Je ne m'inquiète absolument pas. 7-9. Ouais, elle est insupportable. Attends, elle a 40 000 sœurs, là on peut pas en trouver une, là, un prénom. L'oiseau, comment il s'appelle, le goéland là. Ça dort, mais tu perds juste pour ça, tu vois. Bah, c'est pas dit que à la prochaine fois je vais pas manger ça. Hein. Je sais pas. Comment il s'appelle, le goéland. Eureka. Donc on a gagné le chien. Ouais, il faut vous bouffer. Alors, bon appétit bébé. Recette du chef Aïka. Les aristochats. C'est pas la recette qu'ils utilisent pour les empoisonner. C'est joli, regarde. C'est suprême de crème à la Edgar. Pourquoi on a pas eu les aristochats? Alors, pain cake rose avec du Nutella, de la péricube au pesto. J'ai pas mis olive parce que j'étais sympa. Un petit confetti et une tomate. Donc vous pouvez chacune croquer du Nutella. Tu aurais pas le couper en deux plutôt? On va faire comme dans La Belle et le Clochard. Je sais. À la tienne. Mais bon, Appliquez les règles. Alors, que donne ce téton que tu es mélange de saveur? Une explosion de saveur dans la bouche. Le pancake, bon. La tomate, bon. Alors, je peux le manger, non? Franchement, c'est quoi le pire de tout? Franchement, ça se mange. Hein. Mmh. C'est juste bizarre. Moi, je peux survivre à Koh-Lanta. Il y a tout au pesto qui remonte. Du coup, comme la team Oreille de Chat a gagné cette première manche, c'est Lucide contre moi pour la finale. Je sais pas si Aurore est plus déterminée à gagner parce qu'elle aime gagner ou elle est plus déterminée à gagner parce qu'elle veut pas manger. J'ai jamais eu envie de gagner pour ça. Si je perds, peur de manger. Je mange pas, mais c'est Aurore qui doit me maquiller. Non, mais j'aimerais pas qu'on finisse aux urgences quand même. Elle va me crever les yeux. Un coup d'eyeliner. Un troisième œil ici. J'ai peur, j'ai pas envie de manger. Mange pas bien parce que j'ai pas du tout faim. Ah bah moi non plus, hein. Je peux t'assurer que ça va plus. Mais moi j'ai bien faim. Dernier Pixar de la partie. Ok. Et qui est Ratatouille. Ok. Tu l'as jamais vu? Ratatouille? Non, c'est pas un personnage. Ah bon, il s'appelle pas Ratatouille? Ah, il s'appelle Rémi. Gusto, Auguste Gusto. N'hésitez pas à m'aider, hein. Pierre? Non. Alex? Émile. Ouh! Emilio. Émile, elle l'a dit. Attends, on n'a pas dit qu'on soufflait pas, c'est... Non, mais elle disait ça pour rire, mais voilà. Ça a marché. J'ai jamais vu. Et ben voilà. Lucie, la revoit. Attends, Linguini. Paris, c'est une ville, c'est un personnage, c'est... Attends, ça parle pas, non. Non, je peux dire l'eau dans Bayana, mais Paris, non, quand même. Non, mais ça sert à rien de lutter, je l'ai pas vu, hein. Et puis là, on va pas se mentir, en plus, mais ça si, sera chiant. Mais si, les dictionnaires. Les dictionnaires. Larousse. Voilà. C'est un chat. Et Colette. Colette. Je sais pas. En plus j'en ai des frissons d'angoisse avec les imaginer tous les rats là, c'est... Ouais non mais voilà, qui... Enfin pourquoi faire un restaurant, un voilà... Bah vas-y mais... Mais c'était Cadine, Louis, Arthur, Michel, Jean, Maurice... C'est des français donc balance des noms français. Vas-y, des noms français, vas-y. Gustave, Jean... Y'a pas de René. Je sais, René, Tarvini... Il y, avait aussi le chef... Il y avait aussi le chef Skinner. Si vous pouviez arrêter de souffler les meufs, hein, parce que moi,
personne va souffler pour moi. Mais enfin, bah non, mais... même en soufflant, on l'a perdu, donc... c'est vraiment une grande boue. Franchement, Emile... Il est sorti tout seul. Hein. Bon, allez, le dernier. La Belle et le Clochard. La saleté. Allons-y. 1, 2, 3. Ok. Vas-y, comment c'est toi qui a gagné? Belle. Non, elle s'appelle pas comme ça. Elle s'appelle pas Belle. Lady. Oui. Non, c'est tout seul que je savais. Bah le clochard. Voilà. Tony. Tu sens l'odeur du pesto Nutella? Attends, parce que j'en ai trois autres là, donc... Les spaghettis. Il y a les chats là. Les chats, les tiens moi. Ils ont des noms. What? Ouais, ils ont des noms, mais j'arrive pas à... Ne dis rien. Je... Pense aux personnages, j'ai les personnages. Josiane, Josie, Jean-Louis, je m'exprimerai quand l'amour sera terminé. Pierre, Jean, il y avait aussi tante Sarah, si. Voilà, Sarah. Ça, je t'ai dit à Hélène. Et c'était quoi le nom des chats? Si et Am. Ils ont une chanson. Oui, une chanson insupportable. Nous sommes si à moi de père en fils. Nous sommes si à moi. C'est l'heure du Nutella. Bah non, je suis tellement heureuse pas d'avoir gagné juste de pas manger cette cochonnerie. C'est pesto ou olive? Olive. C'est fait pour. Si moi je dis que la dernière manche on l'a fait quand même quoi, si jamais vous gagnez à 3 fois. Non, on a dit pour du beurre. Bah non, mais Aurore ça. Tu manges du beurre alors? Mais c'est quoi l'intérêt que je gagne alors? Bah rien. Donc du coup je viens de gagner. Et Lucille va donc manger la mixture que Gwen et Marion lui ont préparée. Bah c'est sûr que c'est pas très régime approuve d'un. J'essaie de vous soutenir les meufs, je suis pas en train de fanfaronner là, donc bon. Tu vois, c'est pas si mauvais. Non, c'est ça. Miam. Pense à quelque chose de tomate qui explose sur Nutella. Pense à un hamburger ou un truc délicieux. Ah, j'ai hâte qu'on dise ça haut. J'en bol. Je comprends pas toi, que toi t'es... Je bol. Bon, et bien, one down, one to go. Ah, là, je joue ma vie, là. C'est qui commence? Bah, Aurore, parce qu'elle est quand même toute seule là. Ok, vous êtes ready? Je pensais qu'on était amis, mais... Mais attendez, j'ai juste une question. Si nous, on perd, est-ce qu'on remonte? Ah non. Non. La reine des neiges. Vas-y, commence. Anna. Oh, c'était ma préférée. Sven. Elsa. Olaf. Hans. Christophe. Duke Wieselton. Sachant qu'il y a des personnages que tu peux dire qui n'ont pas de nom. Enfin, qui ont laissé leur titre. J'en ai trois. Le monsieur du chalet. Il a un nom. Il a la famille du hammam. Coucou la famille. Non, pour moi ça compte pas honnêtement. Objectivement. Le bonhomme de neige là, le gros bonhomme de neige, le méchant des neiges. Ah, je peux rajouter la quatrième. Tarzan. En vrai, ouais, dans la théorie. Dans la théorie qui a été prouvée d'ailleurs. Il n'apparaît pas un seul instant dans le film. Oui, mais Tarzan. Il est dans nos cœurs. Si, si, parce que Tarzan il est sur le bateau, tu on le sait. Dans mon cœur. Marion elle se prononce pas, elle est en mode. Ah, j'avais peut-être pas mangé. Allez, vas-y. Il faut faire un brainstorm, Les petites pierres là, les cailloux. Les druides. Non, pas les druides. Ils ont des noms, on est pas dans un monstre. Ils ont des noms, les gars. Mais ça va là, j'ai pas. Mama, papa. Non. Caca. Cacao. De toute façon, le chef de ces bestioles là, il a. Attends, mais franchement, il y a tant de personnages que ça dans la même. Ouais. Qui sont chers. Perdu. Donc, il y avait également Grand-Papy, oui. Oaken, ouais. Les trolls, Chamallow, Guimauve en fonction des versions. Et il y avait Kyle, Bulldog. Ma victoire est genre incontestable, excusez-moi les gars. Bon, bah, du coup, on a fini le jeu. J'ai gagné encore, donc du coup j'ai évité la boue, ce qui me va très bien. Elle se renvoie des fleurs. On espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air comme ça. Mes copines reviendront peut-être, mais pas pour manger des apéritifs mais avec du Nutella. Voilà, donc n'hésitez pas également à nous laisser un commentaire si vous auriez réussi ce genre de jeu et si vous connaissiez les personnages des films. N'hésitez pas également à vous abonner, ça fait toujours plaisir de rejoindre la Pixie Army. Et en attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous. Bisous, bisous, bisous.